J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Il fait un temps dégueulasse, comme sur les images que je vous ai montrées. Je vous ai filmé ça parce que c'est vraiment un temps de Toussaint, quoi. On est vraiment au mois de novembre. Encore, je dirais qu'on a de la chance parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai retrouvé des photos et il neigeait déjà. Donc là, franchement, on a un peu de chance, quoi. On a un vrai temps de novembre, de la pluie, les feuilles, etc. Bon, moi, comme d'habitude, je sors de ma séance de sport. J'ai été faire quelques courses, mon petit circuit habituel. Voilà, donc dès qu'il me manque un truc, je trouve ça vachement pratique d'aller juste après le sport. Alors c'est sûr, j'ai la dégaine, hein, je vous dis pas, je suis rouge comme une tomate, je suis en vêtements de sport, c'est sûr que, bon. En même temps, ici, tu peux aller faire tes courses en pyjama, ça gêne personne. Donc c'est plutôt cool, le regard des gens ici est très différent de la France. Les Québécois sont d'une ouverture d'esprit, c'est vraiment une grande force chez eux. On peut aller faire ses courses en chaussons, on peut aller faire ses courses en pyjama, on peut aller faire ses courses en culotte soutif, si, voilà, si on en a envie, ça choquera personne. Il n'y a vraiment pas de regard malveillant ou quoi que ce soit, à part les Français évidemment. Les Québécois m'ont toujours dit, vous les Français, on vous reconnaît dans la rue parce que vous avez tendance à dévisager les gens. Et c'est vrai, moi je me suis déjà surprise à le faire en tout cas, à regarder ne serait-ce que les chaussures, le manteau, même si c'est, voilà, si c'est pas malveillant, hein, si c'est parce que je trouve ça beau ou moche, peu importe. Mais c'est vrai que je me suis déjà surprise à le faire. Et bah voilà, hein, c'est nous les Français, les maudits Français. On me l'a déjà dit ça quand même ici. Bon bref, toujours est-il, qu'est-ce que je disais? Je suis partie dans un truc moi. Ils sont venus couper mes branches là hier. Donc voilà, ça c'est chouette. Ben, ils m'ont laissé quand même une grosse partie dans le jardin. J'étais ravie. Mais bon, c'est pas grave, on mettra ça sur le trottoir. Et notamment la barrière aussi, elle s'est un peu tordue. Donc la barrière qui protège la piscine, elle a bougé. Elle est sortie de son rail, si on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas, on a fait une déclaration sur internet. Je sais pas comment ça va se passer en fait. Bon, je suppose qu'ils ont des assurances. Hein. Donc voilà, en tout cas la branche est partie, maintenant il faudra régler ce problème de barrière. On verra bien. Donc voilà, j'avais juste envie de vous prendre comme ça, pour vous montrer qu'ici aussi il fait un temps épouvantable. Bien que dans le sud, je pense qu'ils ont du beau soleil, enfin en tout cas à certains endroits. Ils ont de la chance. La vie est tellement plus belle au soleil. Oh, ça j'en reste persuadée. Parce que là, sincèrement, le ciel est très chargé, donc je pense qu'il va neiger. Ça joue sur le moral, ça joue sur la forme physique, je trouve. Moi, ça me demande une énergie, mais de fou, quand il fait froid et quand il fait moche, quoi, voilà. Je sais pas, j'ai une énergie débordante quand il y a du soleil, mais alors quand il fait mauvais, c'est la catastrophe. Sinon, le week-end, bah, écoutez, moi j'ai été en pleine forme. Je ne sais pas si c'est la séance d'ostéopathie, mais je ne sais pas, j'ai retrouvé une énergie débordante. Ça a été cool. Donc du coup, j'ai pu faire plein de choses samedi et dimanche. Je me sentais pousser des ailes. Il y a plusieurs mois que ça ne m'était pas arrivé de me réveiller et de me sentir en pleine forme. J'ai pas eu de migraine, j'ai pas eu d'angoisse. J'avais une respiration qui était plutôt fluide. Donc j'étais très contente, je me suis dit waouh, super, ça a fait son effet. Et hier,
Alors, je me suis levée. Alors, je ne sais pas si c'est le contre-coup, mais j'ai été complètement ramassée, complètement à plat. Bon, en même temps, je me suis pris le changement d'heure dans la gueule et je me suis levée à 3h du matin et 4h du matin. Donc voilà, mais en pleine forme, hein. J'ai pu commencer ma journée nickel. Donc j'étais super contente. Donc je pense que c'est le contre-coup de l'ostéopathie plus le changement d'heure. Hier c'était la cata, je me suis dit oh non, ça va pas recommencer. Bon, ce matin je me suis motivée pour aller au sport, mais franchement j'avais vraiment pas envie. Et puis là ça a l'air d'aller, je me sens pas trop mal, je vais aller prendre ma douche, je vais voir. Bon, bah écoutez, on se tient au jus. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Moi, je suis super contente. Dites-moi ce que vous préférez. Ici, c'est un peu un pot pourri de tout ce que j'aime faire. Chaîne de vlog, chaîne de beauté. Je fais un peu ce que j'ai envie. Donc, dites-moi si vous avez des envies particulières. Je serais ravie de partager plus de choses avec vous. Mais en tout cas, j'avais envie de vous dire bienvenue. Et puis, on se reprendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas trop, ou demain, ou dans 2 jours, ou dans 3 jours. Qui vivra, verra. Bon, je ne vous fais pas un retour de course, mais je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Provigo, là, à côté de ma salle de sport, les Quality Street. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Sophie, tu ne peux pas résister. Ça m'a trop donné envie. J'en mangeais quand j'étais plus jeune avec ma mamie. J'adorais ça. Nostalgie, nostalgie. Bon allez, je sors, ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de good morning. Non, j'ai plus de voix. Bah, je me suis cassé la voix. Hein. Au concert de Patrick. Oh, c'était mais trop bien. Mais bon, moi je suis une mamie, hein. Quand je rentre tard, après, je suis crevée. Non, sincèrement, c'était trop bien. J'étais agréablement surprise. J'ai vraiment kiffé son concert. On s'est éclaté, mon mari et moi. On s'est vraiment lâché. Donc pour le coup, je rêvais de crier Patrick. Et là, ça crie tellement que... Vous pouvez le faire, personne ne vous entend. Donc on s'est lâché, mais on a attrapé des fous rires, des grosses barres, parce qu'on criait Patrick à tue-tête. Bon, à part ceux derrière, à mon avis, ils devaient être un peu moins contents. Sinon, c'était vraiment un beau concert. Alors moi, j'aime bien, je regarde The Voice, etc. Et quand c'est vrai que j'entends les coachs dire « Oui, il faut mettre de l'interprétation, oui. » me dit « Mais non, mais Patrick Bruel, c'est fou, quoi. » Il vit ses chansons. Mais un truc de dingue. Les jours pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traîne le chien. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps, va. Tout s'en va, on oublie les pressions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, non surtout, ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi. Comme un cheval fourbu, et on se sent classé dans un lit de hasard, et on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Plusieurs fois, il y avait les larmes aux yeux et il avait l'air super content d'être sur Montréal. Bon, après, je pense qu'ils font ça dans toutes les salles, hein, mais sincèrement, ils ne voulaient plus partir. On se demandait. Puis bon, il y a eu un super public.
Je m'excuse par avance pour tous ceux à qui j'ai cassé la tête sur Instagram. Je suis désolée. Mais alors dans le feu de l'action, voilà, t'as envie de partager et puis tu balances, tu cries, tu chantes et en fait ça fait des stories n'importe nawa quoi. Bon bref, toujours est-il, j'ai pas croisé Amandine, mais j'aurais bien aimé la voir. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'ai essayé de regarder partout et tout ça, mais pas moyen. Après je me suis dit on va se faire des grands signes. Mais bon, hein, je me suis dit Soso, essaye au moins de pas te faire remarquer. Déjà que vu comment je criais, c'était pas mal. Enfin bref, c'était un super concert, j'étais super contente. Ça fait vraiment du bien. Donc ce matin c'est un peu dur hein, parce qu'on avait pris un pot avant avec des amis, donc on était bien chaud. Je lui aurais fait un petit massage aussi moi, au Patrick, hein, sans problème. Je me suis dit je vais peut-être me faufiler dans les loges ou avec une grande pancarte, Patrick, massage. Non, je pense que ça lui aurait pas plu. Toujours est-il que je remets ça ce soir. J'ai un spectacle de danse, enfin de cirque dansé, donc je pense que ça va être très cool. J'ai eu des places par une copine hein, qui travaille à la TOHU ici, donc ils sont en lien avec le Cirque du Soleil, donc c'est cool. Sinon, j'ai envie de pleurer ce matin, il neige, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là ça s'est un petit peu arrêté, il y a des tout petits flocons, mais sinon voilà, bah c'est la vie hein. Je me suis mis à la broderie, enfin j'avais une idée dans la tête là qui courait. Je suis toujours dans ma recherche de mon moi intérieur, de Soso, qu'est-ce que tu vas devenir. Et donc je m'étais dit tiens la broderie, pourquoi pas, parce qu'avec une copine on réfléchit, voilà, peut-être à un concept innovant ou je ne sais quoi, enfin bref. Et tiens, on s'était dit la broderie, pourquoi pas. Donc j'ai pris un cours de broderie, 3 heures, je vais vous montrer ça. Alors, en 3 heures, je vous montre ça, j'avais mis ça dans mon armoire. En 3 heures, voilà ce que j'ai fait. Il y a l'endroit là ? Attendez. Là, voilà. Bon, j'ai appris tous les points, mais voyez, on a fait 4 pauvres lignes quoi, en 3 heures. Donc on s'est dit, si on veut lancer un business, broderie, c'est le mauvais plan. Moi j'aurais bien aimé coudre des t-shirts et tout, je trouvais ça super sympa, mais enfin bon là c'est mort quoi, c'est mort. Donc voilà, alors j'ai une idée de couture, j'ai une autre copine qui fait de la couture et qui m'a dit bah tu viens quand tu veux et puis je t'apprendrai à coudre. Donc on va se mettre à la couture. Bon ça c'est, voilà, la fille qui avait dit Sophie tu te concentres sur une seule chose, non. Ça repart dans tous les sens, hein. Là, je vous le dis ça part en cacahuète. Bon, broderie, couture, voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier. 3 heures de broderie, mais ça détend, c'est un truc de dingue quoi. Non, c'était vraiment chouette, mais je me dis, on voit pas de résultat, c'est le genre de truc, ça doit vite vous prendre la tête quoi. Sinon, donc entre la couture, la broderie, j'ai retravaillé sur mon vlog, en fait je l'ai refondu complètement. J'ai changé de thème, etc. J'avais un peu la ch'trouille là. Et au final, ça s'est super bien passé, donc j'étais contente. J'ai juste un problème avec les photos, mais c'est fou le temps qu'on passe là-dessus. C'est incroyable. On se rend pas vraiment compte. Quand on voit des blogueurs ou quoi que ce soit, on se dit ouais, bon, ça va, ils écrivent un article, point barre. Mais en fait, derrière, il y a toute la, voilà, il y a toute la conception du site, etc., toute la maintenance. Pareil pour la broderie. Moi, je me souviens à Olivia, j'avais eu un énorme abécédaire. Et puis bon, c'est tout, j'avais dit à la personne, oh merci, c'est sympa. Mais elle a dû passer des heures et des heures à faire cet abécédaire, c'est incroyable. Donc on ne se rend pas vraiment compte des fois du travail qu'il y a derrière sur des petites choses. Mais au final, c'est beaucoup de travail. Et là, le blog me prend beaucoup de travail. Donc bon, c'est vrai que quand on me dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, en fait, je les passe beaucoup dans mon bureau, devant mon ordi. Donc voilà. Entre autres, hein, sans parler des petites tâches obligatoires, hein, la maison, le ménage, le repassage, voilà. Tout
tout ce que, quand on travaille, on essaye de donner à l'extérieur. Bon, bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger parce qu'il doit être 13h là déjà, ce matin. J'ai pas vu le temps passer. Oui, bien écoutez, c'était tout pour les nouvelles du jour. Coucou les amis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bon, l'heure est grave. J'ai ressorti ma doudoune d'hiver, ma grosse doudoune. Mais moins 4, sincèrement, moi là j'y arrive plus. Donc on a eu un tout petit peu de neige, mais ça gèle quand même pas mal. Les arbres, bah là tout est tombé, hein, ça y est. Et puis bah non, là moins 4 c'est juste pas possible, on peut plus rester avec son petit blouson. Donc moi j'ai sorti la grosse doudoune. Donc concernant la soirée d'hier, bah écoutez, le top. Le spectacle Human était juste fantastique. Une troupe, mais j'ai jamais vu ça. C'est des danseurs de cirque hein, à la base. Et sincèrement, moi, je vous mettrai quelques photos, hein, comme Patrick Bruel, je vous mettrai quelques images, je sais pas, avant ou après, vous les aurez peut-être déjà vues. Mais c'était juste fantastique. Vraiment, je remercie mon ami pour les places parce que c'est toujours un bonheur pour nous d'aller voir ce genre de spectacle. Donc on a beaucoup de chance. On a vraiment passé une excellente soirée. Je suis refaite. Entre Patrick Bruel et la troupe Circa, mais mon Dieu, c'était juste au top. Franchement, c'était très très chouette. Écoutez, ce sera une semaine essentiellement dans mon bureau, j'ai l'impression. Mais bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. Étant donné que j'ai passé beaucoup de temps sur mon blog. Dites-moi si vous voulez que je vous filme les repas ou les recettes que je peux effectuer dans la semaine, puisque je cuisine quand même pas mal avec les enfants. Donc je me ferai un plaisir de vous filmer ça si ça vous intéresse. J'essaierai de vous prendre un petit peu plus dans la vie de tous les jours et pas seulement des moments posés comme ça. Au bureau ou en bas dans la cuisine. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Je me ferai une joie de filmer ça. Mais voilà, je ne veux pas vous embêter avec des choses inutiles ou quoi que ce soit. Sinon, j'avais envie de vous parler d'un truc, surtout pour les beauty addicts. C'est un produit que j'ai testé cette semaine, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, première impression qui arrivera prochainement. C'est un correcteur anti-cerne. Ce truc est magique. Quand vous passez des soirées comme ça et que le lendemain, ben voilà, il faut quand même avoir une tête à peu près potable. Ben écoutez, ça m'a bien servi. En plus, du coup, je mets plus de fond de teint pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le truc qui m'a sauvé la vie cette semaine, que j'avais testé en première impression et du coup, je l'ai utilisé plusieurs fois, parce qu'en plus j'avais pas envie forcément de me maquiller, mais je me suis dit tiens, c'est l'occasion de le tester vu que tu as des cernes de 6 pieds de long. C'est le Héré Pérez, le concealer à l'arnica. Hop. Franchement, ce truc est magique. J'ai pas eu besoin de mettre de fond de teint du tout cette semaine. Ça a été formidable. Donc je vous mettrai la vidéo qui arrivera prochainement sur la première impression qui était plutôt bonne. Donc là je confirme. Elle est excellente. Franchement, ça cache assez bien la misère. Ça a bien fait l'affaire cette semaine. Sincèrement, c'est un très bon produit que je continuerai à utiliser et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure.